C'est dans un communiqué publié sur Facebook que la ville des Lilas a annoncé la mort du comédien Mabo Kouyaté. Il avait été révélé à l'âge de 14 ans dans la comédie à succès réalisée par Richard Berry, Moi, César, 10 ans et demi, 1m39. Mabo Kouyaté interprétait le rôle de Morgane Boulanger, le meilleur ami de César, alias Jules Citruc. Selon un communiqué publié mercredi 3 avril 2019 sur Facebook par la ville des Lilas, 93, l'acteur est décédé. Il était âgé de 29 ans. Mabo Kouyaté vient de nous quitter. Nous sommes sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de ce talentueux artiste lilasien. Rip Mabo, a écrit Daniel Guéraud, maire de la commune. En 2016. Mabo Kouyaté avait été revu au cinéma dans le film Tour de France aux côtés de Gérard Depardieu. Mais c'est au théâtre que l'acteur s'est le plus épanoui au cours de sa carrière. Entre 2011 et 2013, il avait ainsi été à l'affiche des Liaisons dangereuses, mis en scène par John Malkovich au théâtre de l'Atelier à Montmartre. L'année dernière, il avait été aussi vu dans un épisode de la série policière Section de recherche. En parallèle de ses activités de comédien, Mabo Kouyaté travaillait parfois comme modèle photo et était apparu dans des campagnes de publicité pour Benetton et Afflorn. Il faisait aussi de la musique sous le nom Mabo. Sa dernière activité sur Instagram remonte à fin mars lorsqu'il avait publié une photo de lui en Espagne. En octobre dernier, Jules Citruc avait publié une photo de lui aux côtés de Mabo Kouyaté et de leur partenaire Joséphine Berry. 16 ans plus tard, avait-il commenté, on n'est pas prêt de se quitter. Moi César de Savoudi, avait demandé Joséphine.